Perte de pièces en vol, problème de moteur, problème mécanique, pour ne nommer que ceux-là. Les incidents sur des appareils Boeing se multiplient depuis plus d'un an, à tel point que l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, a ouvert de nouvelles enquêtes sur au moins 2 modèles du constructeur américain après des révélations de lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qui se passe avec Boeing? On va poser la question à Méram Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe avec Boeing? Il se passe beaucoup de choses, il se passe tous les jours quelque chose. Écoutez, les problèmes ont commencé à un moment donné quand les gens chez Boeing, ils ont dit la question de la sécurité, la question de l'ingénierie sont secondaires. Ce qu'il nous faut, c'est de faire plus rapidement de l'argent et beaucoup. Et pour ça, il faut dépasser notre concurrent principal qui est Airbus. Et alors pour ça, ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de faire, c'est-à-dire ce qu'on dit, de faire des coins ronds. Alors, d'une certaine manière, ils ont congédié un certain nombre d'experts de très haut niveau. Ils ont sous-traité, par exemple, avec l'ingénierie, ils sont allés avec des ingénieurs indiens qui n'avaient pas le même niveau d'expertise. Il y a des entités à l'intérieur de Boeing qui avaient beaucoup d'expertise au niveau de construction de l'aérostructure et tout ça. Ils les ont extériorisés, ils les ont vendus. Ils ont vendu ça pour faire l'argent, pour donner ça aux actionnaires. Donc, ce qui fait qu'ils ont l'expertise nécessaire pour faire des avions de bonne qualité dans les délais. Ils l'ont moins. Je ne dis pas qu'ils l'ont plus, ils l'ont pas. Alors, donc, on a vu. Et là, aujourd'hui, on est face à 3 problèmes. C'est ça qui est important, de ne pas mélanger les choses, parce que ça, c'est important, parce que les gens, parfois, sont inquiets. Parfois, oui. Je dirais... Alors, avec il y a raison, des problèmes... presque. Voilà, il y a des problèmes de conception. Les 737 MAX, il y avait des problèmes de conception. C'est pour ça qu'il y a eu des 2 crashs, malheureusement, à plus de 350 personnes. Ça, bon, et dans le 787 aussi, il y avait des problèmes de conception. C'est pour ça qu'on appelait cet avion-là barbecue au volant, parce que les batteries prenaient feu. Donc ça, ces problèmes de conception, grosso modo, on les a réglés. Ils sont grosso modo réglés. L'autre problème avec lequel Boeing aujourd'hui est confronté, et que c'est le sujet d'inquiétude, et ces lanceurs d'alerte, donc ça c'est le 2e important, il y en a un qui s'est suicidé il y a quelques semaines, donc c'est le problème de contrôle de qualité de la production, que ça soit chez les... Voilà. Et le problème, c'est la qualité de production. Ça, c'est chez Boeing. Okay. C'est-à-dire, sous-traitant et ce qui se fait dans les usines de Boeing, il y a des problèmes de production. Pendant la pandémie, ils ont beaucoup congédié. Donc, et comme ils ont allé vraiment beaucoup vers la sous-traitance, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. Ils veulent revenir à la situation précédente, sauf qu'ils n'ont plus les expertises, ils ne trouvent plus autant d'experts qu'il le faut, des gens de qualité, de le former dans les temps. Et donc, les sous-traitants, c'est pareil. Donc, on voit par exemple la porte arrachée dans Alaska Airlines, ouais. C'était la même chose. Il y a le capot de moteur qui a lâché. Ce sont des problèmes de qualité de production. Un autre problème, et ça, ce n'est plus le problème de Boeing, c'est que les compagnies aériennes qui utilisent Boeing dans leurs opérations, eux aussi, ils ont des problèmes de maintenance. Par exemple, on a vu combien de fois United a eu des problèmes et FAA a ouvert une enquête. Ça, c'est la compagnie aérienne qui exploite l'avion, qui ne fait pas sa job correctement. Alors, on est face à ces 3 problèmes-là en même temps. Ça fait tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Bien oui, effectivement. Puis là, j'ai l'impression qu'évidemment, étant donné ces problèmes-là, à chaque fois qu'arrive un pépin avec Boeing, nos yeux sont rivés là-dessus, on en parle. Ça a des conséquences. Le titre en bourse a baissé, les ventes ont diminué. Est-ce que la confiance est toujours là? Est-ce que ça aura des conséquences à un certain moment sur les gens? Est-ce qu'on doit avoir encore confiance d'embarquer dans des appareils Boeing? Alors, définitivement, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des institutions, FAA, tous les institutions réglementaires, la confiance n'est plus là. Deuxièmement, au niveau des compagnies aériennes, s'il n'y avait pas des clauses dans les contrats qui rendent compliquée l'annulation des contrats, ou s'il n'y avait pas des indemnités de Boeing, ou s'il n'y avait pas la réduction des prix de l'avion, des compagnies aériennes aujourd'hui hésitent beaucoup à aller vers Boeing. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui essaient de laisser tomber leurs contrats, ou ceux qui sont en phase de commande pour aller vers Airbus. Le problème, c'est que Airbus est surchargé, ne peut pas répondre non plus à tout. Donc ça, définitivement, il n'y a plus de confiance. Surtout les passagers. Les passagers, ils ont peur. Moi, comme prof, je reçois des mails des citoyens qui me demandent « Monsieur, je veux prendre un vol avec telle compagnie, je vais aller tel endroit avec Boeing. Est-ce que je le prends ?» Alors, vous savez, donc la confiance des citoyens a complètement s'effrité. Et donc, c'est vraiment, on est dans une situation, je dirais, mais... Boeing va devoir réagir pour ramener cette confiance-là et la sécurité des appareils. Merci beaucoup, Méram Ebrahimi. Toujours intéressant de vous parler. Bonne journée. Au revoir.